Hey, bonjour à tous et bienvenue sur du Payday 2 en compagnie d'Epi. Youhou! Bon, cette fois-ci, je suis légèrement un peu seul, hein, parce que vous pouvez voir que je ne suis pas avec Extorgun. Il est reparti chez lui, du coup, il est pas juste à côté, et vu qu'il a un ping d'une seconde et demie, on va pas faire des missions très difficiles. Donc, aujourd'hui, on va faire une mission plutôt sympa. On va quand même essayer d'avoir des serveurs corrects. Je vais passer en mondial. Difficulté. M'en fous en fait de la difficulté. Du coup, quel genre de mission? Alors, il risque d'avoir quelques petites coupures entre temps. C'est tout à fait normal. Pyro, je ne sais plus. Ouais, Pyro. Du coup, je prends ceci. Partie privée pour éviter qu'on me rejoigne. J'accepte. Alors là, c'est de difficulté normale. Je vais pas le faire en très difficile de mon côté. Je vais juste prendre ce qu'il faut. J'ai mon barrette 50 qui est avec un silencieux. Donc il réduit considérablement les dégâts. Mais bon, c'est pas grave. Faut que j'en bute encore 6 de plus à plus de 40 mètres et que je bute encore plus de mastos. Pour ça, ça va pas trop être un problème. Mon arme secondaire, comme toujours, ça sera un des articles parce qu'il est très puissant. Et en armure, je me remets le gros truc, quitte à avoir des munitions avec. Et en masque, je m'en fous royalement. Donc, hop, commençons notre petit casse. Donc, ça sera en 3 jours. J'espère juste que ça va pas plus faire de plus de 20 à 30 minutes. Je prends les sacs de munitions, de santé, vintage point, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, et normalement je dois commencer. Voilà. Ouais, je sais, je suis au courant, merci. Donc, première mission, c'est l'aéroport. On a des munitions, on a tout ce qu'il faut pour soigner, et on peut y aller directement. Donc voilà le sniper. Sniper avec grand silencieux. J'espère que ça ira. Normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Oh. Très discret le machin. Discretos le mec. Putain, il s'est fait défoncer la gueule le mec. Hop. Et on peut prendre son corps. Je ne sais pas s'il y en a un là-bas ou pas. Si, il y en avait un. Chut, chut, chut. Toi, tu te tais. Ah, bah trop tard. On va se calmer, toi. Non, 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 non. Oh, y'a du people ici. Pas de coucher. Non, ça explose pas ça. Oh, bonjour. Hop. Donc, mission principale, récupérer les armes. Il m'en faut que 4. Généralement, j'en prends un peu plus parce que ça fait toujours du pognon supplémentaire. Et puis j'ai les autres personnes qui me permettent justement de garder ça. De toute façon tout seul je l'aurais pas fait. Vraiment tout seul de A à Z. J'aurais dû devoir buter les gens dehors, ce genre de choses.
Mais ta gueule, toi, je suis en train de parler à mes Uber, s'il te plaît. Voilà. Je récupère toutes les armes, les camions, j'en ai un peu rien à foutre, en fait. Genre, j'ai une scie. Merde, c'est l'autre côté. Donc, de toute façon, si les shields, ce genre de choses me font chier, je sors ma grosse arme. Même si elle a très peu de balles, elle fait quand même beaucoup de dégâts. 2200 moins 400, franchement, ça en fait pas beaucoup. De réduit, hein, ce que je veux dire. Donc, du coup. Hello! Non? Tu veux pas? Bon. Du coup, je laisse faire mes amis. On va te coucher. Je vais voir si là-haut s'il y a des armes, putain de merde. Ok, viseur 0, hein. Double 0. Ça, c'était un peu prévu d'ailleurs. Hop là, un champignon en moins. Alors normalement je peux les mettre au sol, sauf quand ils en ont pas envie, bah c'est un peu chiant. J'aime bien la musique parce qu'elle a beaucoup de dynamisme en elle, donc du coup... Pour ça, je vous laisse la musique. Et j'ai pas de flag. L'avantage d'être partenaire. Bonjour. Entreprise de nettoyage. Je vous prends les sacs. Ouais, va te coucher, toi. Est-ce que ça pète, hein? Non. Je vais tester, hein. Ah, d'accord. Déjà? Oh, on s'amuse pas trop, hein. Non, non, toi, tu viens ici, hein. Mais pourquoi ils font le tour? Mais ils sont cons. S'ils aiment bien le faire le tour, alors qu'il y a tellement de place ici. Oh. Et pouf! Pouf! Tout ça pour venir ici, hein. Mais franchement, vous êtes vraiment con. Je préfère vous le dire, hein. Hop. Hop. De toute façon, avant que ça reprenne, de toute façon, vous allez le voir. Ouais, à partir de là, ça va commencer à arriver. Donc c'est pour ça que je préfère être tranquillement couché, toi. J'ai la souris un peu sensible sur ces armes, par contre, c'est un peu chiant. Voler ou détruire les armes? Bah, tant que je peux avoir du pognon, bah, je préfère encore les sécuriser. Ah, mais ils tirent tous comme des brêles en plus. De rien. Mais ne vous échappez pas. Oh, dans la tête. Oh, aussi. De rien, je m'amuse. Voilà. En plus, un pouvoir d'arrêt, ce truc, c'est mignon. Non, tu peux pas. Oh, mais tu me fais chier. Voilà. Ok, merci pour le flash. Je vais le garder au cas où si j'ai un shield. Ah, mais au fait, j'ai combien de sacs?
Là, j'ai plus qu'une balle de chacun en fait. Je viens de le remarquer. Donc j'ai un sac. Deux sacs. Je vais les compter. Hein. Trois sacs. Ok. C'est bon, t'es morte, hein? Ok. Nul. On était à 4 sacs. 5 sacs. Oh, en fait, ça va, tranquille. 8 sacs. 8 sacs. Merde, j'ai plus de munitions. 8 sacs. Voilà. Voilà. Puis au pire, s'ils prennent les sacs, on va les chercher. Hein. Hein, parce que YOLO. Ah mais je suis con en fait. J'ai un sac de munitions. Voilà. Dégage. Dégage. Oh, dégage toi. Pas grave, hein. T'as pas voulu te rendre. Oh putain, il m'a fait gâcher mes balles. Puf. Trop content. Hop, et ça reprend, la musique qui reprend. Je sais pas, j'ai entendu gueuler, donc généralement c'est qu'ils sont dans le coin. Ah, il est bien le Desert Eagle, mais disons qu'il a que deux chargeurs environ. Et je peux pas augmenter le chargeur. Voilà. Bon, bah la première mission va être tranquille. En même temps, on est en normal. Hein. Oh, la balle dans ton fion. C'est mort, oui. Oh, il y a du monde là-bas. Ouais, va te coucher. Ah, putain. Non, tu veux pas? Non? Bon. Tu permets, je recharge. Non, tu veux pas? Bon, tant pis. Pourtant, il y était, hein. Au niveau de lâcher son arme, mais à un moment, il a dit non, fuck it, je suis trop loin, donc j'ai pas envie. Voilà. Bah, il s'est pris une balle. Ah bah, il est mort. Oh, un shield. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, ah, plus de shield. C'est quoi le problème? C'est ça que j'aime bien, moi, c'est les shields. C'est les shields. Si vous avez pas les armes. Comme lui qui était en train de me chercher, là. Et en plus, quand je le vise, il prend encore plus de dégâts. Voilà, comme ça. C'est le sac que je voulais. Voilà. Ah, du coup, il prend 50% de dégâts en plus. Attends, je vais prendre ça. Alors, est-ce qu'on va chercher les armes supplémentaires qui se trouvent dans les camions? Déjà, je vais sécuriser ça, obligatoire. Vous voyez, 70 000 dollars par sac. Ça serait con de les avoir jetés, en fait. Bon, en fait, la deuxième mission qui va se dérouler juste après, elle est légèrement un peu plus dure, parce que...
la vache. Donc, elle est légèrement plus dure en fait. Ce que vous allez voir pourquoi. Alors, je suis concentré, c'est pour ça que je parle pas beaucoup non plus. Mais il faut être discret en fait, mais en même temps bourrin, parce que si vous fail, oui, on va dire ça. Non, tu veux pas. Bah si tu veux pas, tant pis, moi je t'en donne une. En fait, elle ramasse la deuxième arme et ensuite elle revient à la première. C'est un peu chiant. Bon, on va faire un petit tour, voir si on n'a pas oublié quelque chose. Ce qui m'étonnerait fortement, mais... Hey, Wolf, allez, viens, suis-moi. Mais normalement, j'ai rien oublié de particulier. Donc du coup... On va mettre quelques perceuses. Oh, ça va, 2 minutes, c'est bon, je peux en profiter. En plus, j'ai ce qu'il faut en munitions. Bon, pas tout, mais... Hop là. Hop là. Y'a des gens qui veulent encore. Ah, fuck. Voilà. Je prenais un petit peu cher là-haut, moi. Wouhou. Wouah, mais tu vas arrêter de me toucher, toi. Non, bon, bah, tant pis. Non, non plus. Ah merde, j'ai plus de balles. Bon bah tant pis. Ah, ça veut dire qu'il y en a derrière. Non, bah non. Et je crois qu'il reste encore une mine 30 environ là-dessus, donc c'est pas plus mal. Puis je vais garder les grandes armes pour les shields. Ça peut être intéressant, les autres on peut les niquer facilement. Ouais, 1 minute, c'est bon. Faut pas te coucher toi. Ouais, 2 pour le prix d'un. Eh merde. Pourquoi il y a encore tombé en panne celle-là? Bon, c'est pas grave. Mais bon. Bon, c'est pas plus mal. Elle aura duré plus longtemps celle-là. Quoique, c'est peut-être les mêmes en fait. Non mais... Bonjour. Entreprise de nettoyage. T'en es où toi? 0. Oh ouais, cool. Les deux. Et ici, il y en a qu'un. Bah, bah, c'est bien. Bonjour. Bon, voilà. J'avais pas envie de sortir l'autre arme.
tout ça un shield. Bah ce jeu a pas ton shield hein. Hop. Oh. Ah c'était pas lui que je visais, c'était plus lui en fait. Oh putain les mecs comment je les ai couchés. Par contre le shield qui arrive là il me fait un peu chier en fait. Bonjour. Bon bah finalement on aura fait une mission complète en fait hein. Plutôt pas mal. Ouais, je suis en rythme moi. Permis, je prends quelques armes. Voilà. Ah, c'était pas la bonne munition en fait. Ils se sont fait allumer. Bon ça fait qu'une munition mais c'est toujours une munition. Une mission dans un combat contre un shield c'est généralement gagnant. Par contre c'est pour les bulldozers, c'est en pendant une ou deux balles là je pense en plusieurs. Deux ou trois en fait. Hop là. J'aime bien les shields. Je trouve qu'ils sont complètement résistants avec leur bouclier, bah tu leur fous une balle. Ah bah non en fait je suis pas résistant du tout. Voilà. Là il y a des munitions. Ah merde, plus de munitions. Voilà. Shield en moins. Là au moins t'es sûr d'avoir le truc distance à 40 mètres. Hein. Moi je te le dis. Hein. C'est distance à 200 mètres. Dans ta face. C'est bon, y en a plus. Ah bon, sac. Hein. Et hop là. Bon bah gagné pour la première, hein. C'est bien. C'est un peu chiant qu'ils ont fait maintenant le système d'expérience supplémentaire qu'il faut attendre que ça se termine pour voilà. Ah oui, 81,5. Voilà. J'ai fait 40 et entertained maximum, c'est avec ça. C'est cool ça. C'est très bien épais, vous avez bien joué. Alors cette mission là est un petit peu plus complexe. De deux façons, on peut la faire discret parce qu'on a ta gueule, parce qu'on a le symbole fantôme. Tu vas fermer ta gueule. Voilà. Oui mais c'est cool, vas-y ferme ta gueule. Voilà. Alors on peut la faire de deux façons, soit en gros bourrin et on peut les avoir facilement. Soit en mode discret et on peut éventuellement les avoir. Éventuellement, c'est pas sûr. Je vais juste prendre ça. On va essayer mode bourrin. Ça va être une mission bourrin, moi je te le dis. Un contrat bourrin. Vous restez très 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 discret. Tu m'as vu moi discret? Non mais sérieusement, tu m'as vu discret le mec? En plus, il y a des caméras qui te surveillent quoi. Non mais allô quoi.
Lol, tu m'as vu. Lol, tu m'as repéré. Genre. Ah bah c'est ouvert. Ah bah c'est con. Non mais genre. En fait, ce qui me dérange le plus là, c'est de pas savoir où est-ce qu'il y a. Où est-ce qu'il pourrait y avoir justement la salle des serveurs? Parce que si je peux y arriver tranquillement, bah tant mieux! Par contre, si j'arrive en mode bourrin, peut-être pas trop le faire. Putain, il monte lui. Bon, je m'en fous, hein. J'étais en mode bourrin et la caméra était là. En fait, tu pourrais limite rusher. Hein. Voilà, vous voyez, comme j'ai le CME, je peux ouvrir certaines portes. En fait, je brûle l'insertion de la caméra, la carte. Bon, par contre, celle-là, j'étais un peu obligé en fait. Quoique, en discret, je sais pas si ça s'est fermé en fait. En fait, j'en sais rien. James, eh bien. Alors, il y a un truc qui est super con, mais bien en même temps. C'est que ça, normalement, c'est des vitres blindées. Sauf que, des fois, c'est un peu con. C'est que vous mettez comme ça, vous attendez et vous tirez parce que votre canon est l'extérieur de la plaque blindée. Du coup, la balle traverse. C'est un bug, normalement. Hein. Oui, restez dehors, au pire. Hein. Non, tu viens quand même. Hey, Wolf, come with me. Non. Ouais, voilà, va au fond. Allez, viens plus vite. Avant que ça aille vraiment en bourrin. De toute façon, 180 secondes. Ça fait que 3 minutes. Bon, bien sûr, elle va tomber en rade. Hein. C'est une perceuse normale, ça existe pas. Hein. Mais voilà. En fait, vous restez là et vous attendez. On de l'air. Et vous amusez à faire des signaux de morse. Pu. Évidemment. Sinon c'était pas drôle. Hein. Voilà. Et puis on attend. Alors pour le bien de la petite vidéo et du son, je vais réduire ça. Et je vais augmenter ça. Voilà. Et puis on attend. Voilà, comment s'amuser avec une mission? Attendre. On se fait tellement chier. En fait, je crois que c'est ça. Hein. C'est s'il y a l'alarme qui est déclenchée, ça descend. Donc en silencieux, en fait, on pourrait prendre limite le serveur et se barrer. Oh. Et j'en vois. Hop là! Exemple. Non mais, tu me touches pas toi. Ouais. Donc vous voyez, on peut vraiment utiliser le use bag. Hein. Le canon est bien à l'extérieur de la vitre. Et vous pouvez tous les buter rapidement. La 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 la. Ouais, tu me fais une bonne terre parce que moi en chant ça fait zéro. D'ailleurs, je trouve bizarre que la personne ne s'est pas arrêtée au moment qu'ils sont venus. Ah bah j'ai rien dit. Oh mais genre tu me donnes le coup au moment où je répare. Genre. De toute façon t'es mort donc ferme ta gueule. Voilà.
En fait, là, la perso, si elle serait pas arrêtée deux fois de suite, elle serait en train de sortir. Mais non. Vous voyez, ça se prépare. En fait, ça se prépare tranquillement lors des plus des assauts. Sauf lui qui a envie de faire chier son monde. Tiens, voilà. Tant au moins. Non, mais... Donc, voilà. Et au moment des assauts, bah, au début, avant la pré-assaut, ils viennent tous en masse. Et au moment de l'assaut, pouf, ils viennent. Il reste combien de temps, d'ailleurs? 30 secondes? Ouais, bah, il y aura l'assaut, hein. Je vais garder l'arme. Bah là, vous voyez, avec cette arme-là, je traverse pas. Hein. Je préfère le dire, je ne traverse absolument pas. Oh. Ah non, c'est un bug. On voit dehors. D'accord. Ça va, sinon, vous voyez, là j'ai le laser. Elle voit pas. Ça va sans doute tirer. Mais nous aussi on peut se barrer avant. Je vais recharger. Parce que je pense que je vais avoir le ninja dehors. Coucher toi. Ah non, j'ai pas le ninja. Putain, il s'est fait défoncer la gueule lui. Triple kill, wouhou! J'ai l'achievement. Coucher toi. Non, tu veux pas crever? Bon, tant pis. Ah bon, bah ça va, c'était en fait simple. Hein. Et hop! Dans le fourgon! Et on est arrivé. Bon, bah voilà, c'était la deuxième partie. Donc sur ce, bah comme ça va faire, je vais faire le contrat en deux épisodes. Donc merci d'avoir regardé cette première partie de Payday 2 en compagnie d'épée et puis on se retrouve pour la prochaine manche.